Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Rins, comment ça va? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, un petit peu particulière. On change pour cette nouvelle année 2020. Donc on va jouer un petit peu à d'autres jeux comme je vous en avais parlé lors de ma vidéo du passage de 2019 à 2020. Et donc on se retrouve, oula, pour la première fois pour cette nouvelle année sur Star Wars Battlefront 1, donc un jeu qui a déjà maintenant quelques années, sur lequel j'ai pu faire déjà quelques vidéos précédemment sur ma chaîne pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et puis voilà, j'avais envie de refaire des petits comebacks sur ce genre de jeu parce que franchement ça me plaît. Ça me plaît, c'est un jeu détente qui est bien fait, moi je le trouve vachement cool. Donc voilà, moi mon objectif c'est de passer de bons moments, de faire un petit peu autre chose que du Call of de temps en temps, quoi, ça fait toujours du bien. Et c'est des vidéos un petit peu particulières parce que je me retrouve finalement seul. Voilà, peut-être que par la suite j'aurai la chance de jouer avec d'autres partenaires à d'autres jeux. Mais en attendant, c'est aussi plaisant de se retrouver seul face à vous pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que vous pouvez voir du coup, parce qu'effectivement vous avez l'habitude de voir avec moi du Call of, vous avez l'habitude de voir des vidéos défis, des vidéos en duo, mais pas beaucoup de vidéos en solo, j'en ai peut-être fait une ou deux depuis mon retour. Donc voilà, là c'est l'occasion pour moi de pouvoir mettre en avant un petit peu d'autres choses sur ma chaîne. Et moi j'aime bien profiter de... Merde, je me suis trompé. J'aime bien profiter de ce genre de petite occasion, là c'est toujours sympa. Je sors de la zone. Voilà. Hop, bon. Ah, là là là. J'ai pas perdu les bonnes petites habitudes mine de rien. C'est assez cool. Et puis c'est un mode que je trouvais assez jouissif, quoi, donc. Hop là. J'ai été touché, hein. Je me suis pris un sale missile là. Ce transporteur sera vulnérable au cours de sa fuite. Protégez-le. Ah là là, oui, excusez-moi, j'étais un petit peu concentré. Ah punaise, derrière moi. Ah oui, donc c'est un mode, je le trouve assez jouissif, voilà, une petite bataille de vaisseaux. Les X-Wing et les... je sais plus comment ils s'appellent, maintenant j'ai pas vu. Les Y-Wing peut-être, je sais plus. J'ai pas fait gaffe. Donc c'était un mode vraiment que j'appréciais beaucoup, beaucoup à la sortie du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez de mon ancien compagnon Imperator. On a fait pas mal de vidéos hein, sur Star Wars avec lui. C'était vraiment un bon compagnon, une bonne époque. J'espère un jour pouvoir rejouer avec lui. Donc voilà, si jamais tu m'entends, Imperator, n'hésite hein, surtout pas à te manifester. Il veut pas mourir. Voilà. Merci. Et puis voilà, c'est une vidéo un petit peu détente. Je n'ai pas particulièrement, sans vous mentir, de sujet en particulier dont j'aimerais vous parler. Mais voilà, je me suis dit tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à autre chose. Pourquoi je ferais pas ça en vidéo pour vous, pour vous poser du nouveau contenu sur ma chaîne. J'espère évidemment que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez en voir un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Moi je ferai. Il n'y a pas de problème pour moi. Je prends un plaisir fou à jouer à ce genre de jeu, à changer un petit peu d'univers. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire hein, dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Hein, moi je suis toujours à l'écoute de ce que vous me dites et de ce que vous me conseillez ou déconseillez. Donc si jamais voilà, ça vous plaît, n'hésitez pas hein, par la barre des likes ou l'espace commentaire à me dire, j'ai un peu de mal, hein, à me dire si c'est des choses que vous avez envie de revoir plus souvent sur ma chaîne. Oh punaise. On va redescendre. Ils me suivent, hein, je crois. Hein. Ah ouais, ils m'ont suivi. Donc voilà, c'est un mode, voilà. Ah, les A-Wing et les X-Wing. Ah ouais, on va tester le A-Wing un peu. Pour voir un petit peu les trucs qu'il a. Donc lui, il a une roquette, il peut aller plus vite. D'accord, ok. J'ai franchement plus l'habitude, donc il va falloir que je m'y remette. Mais je pense que ça peut être cool, je vais pouvoir faire aussi d'autres vidéos sur d'autres modes de jeu. Hein, sur Star Wars, parce qu'il y en a plusieurs, des modes très divertissants, enfin moi en tout cas je les trouve divertissants, donc si jamais vous ça vous tente, vous me le dites. Et donc voilà, moi comme je vous l'avais annoncé hein, sur la dernière vidéo, je compte me diversifier un petit peu en faisant d'autres styles de jeu.
J'ai pas pu tirer mon roquette là. Ah, il m'a bien eu. Le bagnard. Où qu'il est? Il m'a semé? Il est derrière moi. Voilà, on évite, on évite. Y a du monde, hein. Mais c'est franchement c'est un mode de jeu, je kiffe de fou. J'ai toujours, je me souviens, alors la petite anecdote Star Wars. À l'époque, quand j'étais un grand petit garçon, parce que bon, j'étais petit, mais j'avais bien joué les trucs de grand et tout. Et j'étais comme un ouf quand il y avait quand je jouais Star Wars. Et donc mon rêve c'était d'être un Jedi. Alors un Jedi mais qui savait piloter les vaisseaux. Donc certes il y en a plein dans les films de Star Wars, mais je voulais être un Jedi grand pilote quoi. Et je me souviens que quand je voyais des combats dans l'espace et tout avec les vaisseaux dans Star Wars, j'étais comme un fou quand je voyais des combats au sabre laser, j'étais comme un fou. Et donc j'étais toujours à la quête d'un petit sabre laser quoi chez moi. Je demandais toujours à en avoir des nouveaux. Et donc je sais pas si vous avez connu ça, mais les sabres laser qui se déplient là. Vous savez, vous mettez un petit coup un petit peu brusque pour que le sabre se déplie. Et après vous appuyez pour que la couleur s'allume quoi. C'était un peu, voilà, c'était du low cost, hein, on va pas se mentir. Mais c'était déjà ouf quand j'étais petit. Et puis là j'ai regardé le nouveau Star Wars qui est sorti, je me suis dit putain c'est vrai que c'est quand même un sacré univers. C'est un truc assez incroyable l'univers qui est autour de Star Wars et je voulais regarder. Je voulais franchement regarder cette histoire de sabre laser du coup, je me suis dit ça m'intéresse. Est-ce qu'ils font maintenant mieux qu'il y a 10 ans quoi. Et j'ai regardé, donc un sabre laser quasiment fidèle à ce qui se propose dans les films quoi, ça coûte entre 1000 et 3000 balles. Et là je me suis dit, wow, ça calme quand même, tu vois. Ouais, mes petits sabres laser que j'avais en plastique à 15 balles quoi, c'était pas du tout la même chose, hein, on va pas se mentir. Et là je me dis putain, vous vous rendez compte du prix que ça coûte quoi, c'est quand même assez incroyable de voir ce que ça peut ramener comme argent, cet univers Star Wars qui regroupe énormément de fans. Et franchement je trouve ça en réalité vachement beau, tu vois. Putain, ça a créé quand même de sacrées choses, hein, cet univers. C'est quelque chose que les gens sont pas prêts d'oublier, qui continue de se développer, hein, avec les nouveaux films. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs. Putain, Missile est parti en retard. Il y aura d'autres films, je sais pas si vous avez vu, si vous suivez un petit peu l'actualité de Star Wars ou pas du tout. J'en sais rien. Mais donc d'autres films Star Wars sont prévus là, c'était censé être le dernier, mais apparemment non. Donc voilà. Je trouve que c'est vachement vachement cool quand même. Je suis suivi par un truc, je crois. Voilà, on récupère la vie. Tourne fight. Mon missile. J'appuie sur le bouton pour tirer. Il est parti 10 ans après. C'est tellement triste. Oh, t'es parti, je te suis. Je te lâcherai pas. Eh ouais, mon pote. Oula. Hop là. Et mec, on lâche rien. On lâche rien, c'est tellement jouissif, je trouve. Oh là, je suis suivi. Oh, pourquoi j'ai changé de vue? Surtout pas, je sais pas piloter pour de vrai. Alors, et pour ceux qui le savent pas, alors moi j'ai un casque VR à la maison. Où j'ai pu tester la réalité virtuelle sur ce jeu. Où il y avait un mode spécial, en fait tu étais pilote de vaisseau. Et donc pour revenir à mon anecdote d'avant, moi je trouvais ça ouf, tu vois, de faire pilote de vaisseau et tout. Mais alors j'ai joué rien qu'avec la réalité virtuelle. Et je peux vous dire que ça vous rend. Mais alors malade. Enfin, moi, peut-être que c'était moi, mon truc, ma sensation. Pour d'autres ça le fait pas. Mais alors quand tu sortais du vaisseau, t'avais la tête qui tournait. Oh, c'était un truc de fou. Mais c'était une expérience à vivre. Franchement j'ai trouvé ça vachement bien. C'était vachement cool. C'était une bonne petite expérience pour moi qui ai toujours voulu être pilote étant petit. J'ai trouvé ça top quoi. Mes missiles suis-je pas les... Ah si, j'allais dire putain, mais qu'est-ce qu'il a mes missiles. Et je me suis dit putain, ça doit être vachement bien d'être pilote. Et là je me suis rendu compte que c'était vachement compliqué en fait. Est-ce que j'arriverai à prendre... Yes. Je prends le petit Faucon Millenium pour la première vidéo sur le retour pour la dernière qui reste de jeu. On est en train de gagner. C'est assez jouissif.
En plus, je peux me permettre d'être le Han Solo, quoi. Le fameux. Alors attends, est-ce que je sais l'utiliser par contre? Ça, c'est autre chose aussi. Oh là là! Mais oui, monsieur! C'est d'une puissance! Putain, je lui ai mis 440 de dégâts. Hein. Yeah, je pense qu'il a commencé à paniquer, le con. Allez, on le prend en filature maintenant, là. Je me faisais tirer dessus dans le dos. Hop là! Il est passé où? Ah putain. Et merde! Allez, un dernier petit kill! Avant la fin! Yes! Et c'est une victoire! Pour la première partie. Et c'est la. Et en plus, honnêtement, c'est la première partie que je fais. C'est la première partie, là, je viens de me connecter. Première partie que je fais sur le jeu. Sur ce mode, parce qu'avant, j'avais pas du tout testé. C'est une victoire. Pour 28 éliminations, je suis 3 fois dans le top. Voilà. C'est génial, c'est génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire monter la barre des likes. Et puis, on se retrouvera pour des prochains épisodes, que ce soit sur Call of, sur ce jeu ou d'autres. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre mon actualité. Et puis, on se retrouvera la fois prochaine. Ciao, ciao, les amis.